Salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Ceci concerne naturellement l'ensemble des Français sur une question qui est très très grave. Depuis des mois, je dénonce la politique étrangère de Macron. Je dénonce ses alliances sulfureuses avec les pires régimes au monde qui sont l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émiratis. Son soutien, sans le dire officiellement, aussi du boucher Bachar al-Assad, puisqu'il ne dit plus rien sur le régime, puisqu'il soutient le régime. Et c'est un homme sournois, prétentieux, arrogant, qui ne partage rien avec les Français, parce qu'il les prend pour des Mongoliens, il les prend comme Hollande, il a dit des sans-dents, mais lui, il les prend pour les sans-dents et des sans-cerveaux. Donc pour lui, c'est des affaires d'adultes, c'est des affaires des gens des bien-pensants, c'est pour les premiers de cordée. Et il est hors de question d'en parler aux derniers de cordée, qui, à ses yeux, sont les Français. Or, les Français, c'est pas un peuple plus bête que les autres, et qu'ils s'intéressent aussi à la politique internationale. Et pour ceux qui ne pensent pas que la politique internationale est importante, croyez-moi, ça a des conséquences sur tout. Ça a des conséquences sur la sécurité. Je vous rappelle que des Français ont été tués au Niger. C'est pas étranger de la présence française au Mali, et notamment sur ces territoires. C'est aussi des enjeux d'économie, puisque les entreprises, quand elles veulent exporter dans certains pays, etc., la France est mal vue, et elle est mal vue, pourquoi ? En fonction de la position politique de Macron. On a vu Macron qui veut jouer de l'ingérence, allant soutenir l'insoutenable, aller s'occuper de l'affaire grecque, alors au lieu de s'occuper de la France qui est dans un état pitoyable. On l'a vu maintenant, il a été au Liban. Il se permet de dire qu'il faut réformer les institutions. Il se permet d'aller défier les régimes et tout ça, etc., pensant qu'il a été élu président du Liban. Non, Macron, tu n'es pas président du Liban. Et des mois que je martèle, des mois que j'explique que ce sournois fait du travail sous-marin, je vais vous en apporter la preuve. Alors, la preuve que je vous donne, elle est connaissable, elle peut être connue par tout le monde, puisqu'elle est publique, c'est sorti dans la presse. Sauf que le traitement qui est fait de cette vidéo n'a pas été désossé, expliqué réellement. Et c'est là où j'attaque le morceau. Donc, Malbruno, pourtant très ami de Macron, Georges Malbruno, limite, moi j'ai toujours accusé qu'il travaillait pour la DGSE française. Et vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes, et l'histoire nous l'a prouvé, qui travaillait pour les renseignements extérieurs français. Et vous savez que souvent, c'est pour ça que des fois, Malbruno, il a été pris en otage en Irak, il y a des journalistes qui sont pris en otage, etc., mais en fait, ne font pas que rôle de journaliste, ils servent les services secrets français. En soi, pour moi, c'est même pas génial, parce que s'ils servent les intérêts de la France, tout ça, etc., les services secrets, ça sert à ça, ça sert à chercher les secrets où ils se trouvent, justement, ça porte son nom, ça me dérange pas trop. Mais quand, par contre, un Malbruno prend des positions ou raconte des âneries, c'est-à-dire quand il écrit des livres sur le Qatar, soi-disant, et pourtant, Dieu sait que je tape le Qatar assez régulièrement, mais quand il raconte des mensonges, que c'est les frères musulmans qui sont là pour infiltrer la France, tout ça, etc., il a été fait aux ordres, au service de Macron, etc., qui lui a demandé de faire ce travail-là. Pourquoi il n'écrit jamais sur les Émiratis ? Parce qu'il est financé par les Émiratis. Parce qu'il est financé aussi par l'Arabie Saoudite. Croyez-moi que s'il disait la vérité sur l'Arabie Saoudite, il ne mettrait pas ses pieds comme il est là. Il est invité avec tapis rouge là-bas. Le même Georges Malbruno du Figaro, qui est reçu à grande pompe, notamment par Bachar al-Assad, qui ne cache pas son soutien à Bachar al-Assad. Coïncidence, toujours avec Macron. Mais là, il y a eu un couac. C'est-à-dire, Malbruno, qui est un faux journaliste, qui est là ou pour informer la DGSE, et ça, je n'en fais pas le procès, mais quand il se déguise, soi-disant, en journaliste neutre, etc., alors qu'il fait de la propagande au service de Macron et au service du pouvoir, je dis non. Et aujourd'hui, ça a éclaté, parce qu'il a voulu faire un petit coup, et vous allez voir, il a fait un article où il balance que Macron avait rencontré, le 6 août dernier, le Hezbollah. Le Hezbollah, qui est une organisation terroriste reconnue par la France. Autant dire que le CRIF, il y avait une tribune qui a été faite par des gens demandant encore de qualifier le Hezbollah comme organisation terroriste, etc. Le Hezbollah qui a tué des Français, des soldats, plus de 53 soldats français. Le Hezbollah qui soutient Bachar le boucher, etc. Certains y voient d'un bon œil le Hezbollah, quand le Hezbollah, parce qu'il frappe sur Israël, mais il n'oublie pas que le Hezbollah, c'est à la botte de l'Iran, que le Hezbollah sera là toujours pour servir les intérêts de l'Iran.
il servira les intérêts de Bachar le Boucher et il servira jamais les intérêts des musulmans sunnites. Et donc, pour moi, le Hezbollah, je n'y apporte aucune sympathie. Ils ont tué aussi beaucoup de responsables sunnites au Liban. Alors maintenant, écoutez. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, c'est toujours. Alors, il dit à Malbruno, votre papier est irresponsable. Vous voyez ce qu'il lui a dit? Vous l'avez entendu? Je vous mettrai sous la vidéo. Il est irresponsable. Pourquoi? Mais comment ça se fait que tu me dis qu'il est responsable? T'as un journaliste qui a une information, qui dévoile l'information. Parce que ça fait tâche. Parce que, en fait, Macron ne voulait pas dire, il ne voulait pas que ça se sache, qu'il rencontrait en Lousdé, en sous-marin, en ce que vous voulez, il rencontrait le Hezbollah. Et donc Macron a rencontré le Hezbollah. Et les Français ne le savaient pas. Et le gouvernement ne le savait pas. Et l'opposition ne le savait pas. Et les Français ne le savaient pas. Macron, maintenant que tu t'es fait dévoiler, donc on voit bien ce que dit Macron. Macron pète les plombs. Il lui dit c'est irresponsable ce que vous faites. Mais pourquoi? Donc ça veut dire que être responsable, c'est de cacher la vérité. Vous voyez, il faut désosser tous ces mots qu'il lui dit. Vous êtes irresponsable d'avoir ça. Mais quoi? Un journaliste, normalement, ce que je dénonce régulièrement, qui doit faire son boulot, il a une information, il doit publier son information. Et là, il lui dit, en gros, c'est irresponsable de le faire, votre publication, et en plus, elle n'est pas déontologique. Mais qu'est-ce que c'est la déontologie d'un journaliste? C'est justement la déontologie, j'ai une information, je l'envoie. Et le Canard Enchaîné, je vous rappelle, le Canard Enchaîné est né et continue à être, justement, sur tout ce qu'on ne sait pas, qui se dit pas dans notre presse, pour connaître ce qui se passe. Or là, on n'a pas le contenu. Donc là, on a fait la forme. Maintenant, sur le fond, Macron, qu'est-ce que tu as dit au Hezbollah? Qu'est-ce que tu as négocié avec le Hezbollah? Qu'est-ce qui se passe avec le Hezbollah? Est-ce que c'est par rapport à la Syrie? Est-ce que c'est purement par rapport au Liban? Et après, j'y reviendrai plus tard. Mais on va continuer le sketch de Macron. Avec franchise. Vous avez été grave, non professionnel et mesquin. Alors, il lui dit ce que vous avez fait est grave. Compte tenu de la sensibilité du... Grave et mesquin. Mais c'est quoi un journaliste? C'est quoi qui est mesquin? Encore dévoiler une information? Il dit grave. Pourquoi elle est grave? Parce que, comme Macron lèche les babouches du CRIF, il va se mettre le CRIF à dos, puisque le CRIF, ce n'est qu'une officine d'Israël. Il n'y a rien de français là-dedans. Ils sont d'abord israéliens. Parce que juifs israéliens. Ok, il n'y a que les gens qui ne le disent pas. Mais moi, je vous le dis clairement, je l'avais écrit dans mon livre. Ça n'a pas empêché le CRIF dans ses bureaux de m'inviter dans leur radio quand j'ai écrit mon livre, où je tape tout le monde. Parce que, au fond d'eux, ils savent que je suis pas judéophobe. Je suis pas anti-israélien, je suis anti-israélien quand il s'agit de taper sur les Palestiniens, mais sur l'État existant, je l'ai toujours dit, ils ont une terre qui la garde, mais aux limites de 48. Voilà, c'est tout. Mais je n'ai jamais dit qu'il faut aller tuer les Juifs, etc. Moi, je suis pas un nazi, hein, je suis pas un nazillon, d'accord? Alors, donc lui, maintenant, il est dans la merde, Macron, parce que le CRIF le sait, les autres le savent qu'il a rencontré le Hezbollah. Et maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui s'est dit pendant cette rencontre avec le Hezbollah? Et donc, elle lui dit, c'est pas déontologique, mais où c'est écrit dans la déontologie du journaliste, d'être à la merci du pouvoir. Donc, dans tout ce qu'il est en train de dire, irresponsable, mesquin, pas déontologique, ça prouve bien que Malbruno est bien un agent français. Il est payé, alors, il est payé en extra, hein, ça prouve bien, il vient de dévoiler le visage de Malbruno. Parce que moi, je vais pas soutenir Malbruno dans cette affaire-là. Parce que Malbruno, je lui fais toujours le procès de rouler avec les Saoudiens, rouler avec les Émiratis. Regardez, jamais. Par contre, il tape toujours la Turquie. Il massacre la Turquie. Pourquoi? Parce que ça sert les intérêts de l'Arabie Saoudite. Ça sert les intérêts des Émiratis. Et ceux qui ne connaissent pas le sujet, renseignez-vous. Un journaliste ne rentre pas comme ça en Arabie Saoudite et il n'a pas des informations comme il a. Comme lui, il est toujours à la merci avec Bachar le Boucher. Tu n'arrives pas à voir Bachar le Boucher comme ça. Et de l'autre côté, donc, on est là. C'est que on a un axe où il y a Macron
qui ne fait pas la morale, forcément, un journaliste. Mais il se balance, il fait la morale et il attaque, il est violent contre un pseudo-journaliste qui est là, qui sert les intérêts, ses propres intérêts déjà personnels, et qui sert la DGSE. Voilà, c'est un agent déguisé en journaliste. Et ça, personne, aucun média vous le dira. Alors, moi, sur le fond du sujet, que Macron ait rencontré le Hezbollah, mais Macron, il veut réformer le Liban. Rien ne peut se faire au Liban sans que le Hezbollah soit présent. Que vous aimez, que vous n'aimez pas. Ça a été une organisation terroriste très longtemps, mais qui après s'est transformée, dans les années 90, en organisation politique. En fait, vous prenez exactement le FLNC, en Corse, ceux qui mettaient des bombes, ceux qui tuaient, tout ça, les terroristes corses. Et quand ils sont passés par la voie politique, ils ont choisi la voie politique, ils ont été élus démocratiquement dans des communes, à la grande région et au département. Donc les nationalistes ont fait le choix. En soi, ça me dérange pas que une organisation terroriste, au contraire, lâche les armes et choisit le choix politique des choses. Et donc, comme ils sont incontournables sur le Liban, d'accord, ben Macron, il est obligé de composer avec pour faire le grand sauveur, le grand plan sur le Liban, le grand. Vous voyez, c'est vraiment le grand pacificateur, Pascal le grand frère, je l'appelle. Voilà. Mais, et donc, il a besoin de parler avec le Hezbollah. Et il est obligé de négocier avec le Hezbollah. Et c'est ça qui est rigolo. C'est rigolo parce que, frontalement, en France, il va se dire, c'est une organisation terroriste, il y a ci, il y a cela, etc. Et puis, au fond, en sous-marin, il va quand même discuter avec eux. En soi, je vous le dis encore, discuter, moi, me dérange pas. Tu dois discuter avec les personnes qui sont en place. Mais sauf quand tu le caches, sauf quand tu fais l'hypocrite. Mais tu dois l'expliquer, et tu dois te justifier, et tu dois donner le fond de ce qui s'est passé. Enfin, hier, c'était Charlie Charlot et compagnie. Il va nous préparer l'or pour l'anniversaire de la République, encore un discours sur le séparatisme. Il nous fait la morale en disant la liberté d'expression. Les journalistes doivent avoir... comment vous dire, l'esprit libre, le droit à la caricature, le droit à l'exagération, mais surtout pas le droit à la censure. Et lui, il demande à Malbruno, il condamne Malbruno d'avoir fait son rôle de journaliste pour une fois, j'allais dire, et qui donne une information. Et c'est là qu'il se fout de la gueule. Tu as des torchons, des ivrognes, laïca, marxistes, rouges, plein de chichons, qui, Charlie Hebdo bien sûr, se font plaisir à faire des caricatures de Mahomet pour souiller. Oh, ils en ont fait sur le pape aussi, vous inquiétez pas, ils ont donné le compte aussi. Mais en gros, c'est blessé pour blesser. Ils se servent de la satire pour donner leur pensée, pour cracher leur haine. Et de l'autre côté, on a un Macron où il y a quelqu'un qui nous donne une information importante quand même. On a un président français qui fait de l'ingérence au Liban, on a un président français qui prend des engagements et qui traite avec une des parties, des composantes du Liban qui est le Hezbollah. Mais par contre, ça, on ne doit pas le dire. Et là, je comprends pas. Mais pourquoi on ne doit pas le dire? Et si, avec tant de véhémence, Macron réagit, c'est quelque chose de sensible. Pourquoi il ne voulait pas que les Français le sachent? Mais en fait, ce n'est pas que les Français. C'est toutes les parties prenantes. Il ne voulait pas que les Libanais, parce qu'il dit que ça aura des conséquences ici. Et pourquoi? Parce que tout comme France 2 et tout ça, ils font des reportages, vous verrez, ils interviewent que les chrétiens. On veut la France. Mais le reste du bloc des Libanais ne veulent pas de la France. Pourquoi ils ne montrent pas les manifestations où ils sont contre la France au Liban? On nous montre que ceux qui sont pro la France, et normal, des chrétiens. Parce qu'ils vont jouer encore les sauveteurs, tout ça. Donc les chrétiens qui sont au Liban sont assez proches de Macron. Et ils ne veulent pas entendre parler. Et donc maintenant, les Libanais chrétiens vont savoir que Macron a parlé avec le Hezbollah. Or, ces gens chrétiens, ils ne veulent pas entendre parler du Hezbollah. Mais le Hezbollah, il est incontournable. Qu'on n'aime pas, et personnellement, je ne l'aime pas. Mais il est incontournable parce que c'est une grosse pièce maîtresse de l'échiquier politique au Liban, composé des chrétiens, des sunnites et des chiites, représentés par le Hezbollah. Voilà ce qui s'est passé. Donc, plus vous regardez cette vidéo, plus vous décortiquez ce que vient de dire Macron, sur sa forme, sur son fond, tout ça, etc., vous verrez bien que c'est un antinomique avec tout ce qu'il peut nous raconter jusqu'à présent, et qu'il y fricote, notamment avec une organisation terroriste, sans vouloir que ça se sache. Alors, ça vous en dit long, par rapport à mon préambule, et ceux qui sont arrivés en retard pour regarder mon préambule, ça en dit long sur tout ce qui se passe en sous-marin avec Macron. Qui rencontre?
le même qui avait fait la promesse, qui sans aucun scrupule avait promis aux Kurdes marxistes, laïcards, rouges, terroristes du YPG, qu'ils auraient une terre sur le sol syrien, donc en bouffant la souveraineté syrienne, pour installer et créer un Kurdistan syrien aux frontières de la Turquie, là où, dans l'est de la Turquie, se retrouve une forte population qui est turque, bien sûr, mais kurde, pour essayer de continuer à foutre des bombes là-bas et essayer de récupérer aussi une terre de la Turquie. Parce que c'est ça, la réalité. Voilà. Vous voyez, la géopolitique, c'est complexe. Il faut la suivre et il faut aussi s'y intéresser. Et encore une fois, ce qui est fait, quand Macron se permet de dire ça à l'extérieur du pays, où il achoppe un journaliste comme ça, ça en dit long sur tous les mensonges qu'ils peuvent nous raconter tous les jours en France. Et une vérité, elle est bonne à dire. Donc, ce doit être la base du journalisme. Or, pour Macron, une vérité et une réalité n'est pas bonne à dire parce que ça veut dire qu'il dessert les intérêts de la France, parce qu'il redit, parce qu'il est important de le réécouter. Hein ? Il accuse de desservir les intérêts de la France. Regardez. Sujet. Compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes aussi. Irresponsable pour la France. Irresponsable pour la France. Vous avez encore là-dedans la preuve, la connexion de Malbruno avec les services français, et en quoi le fait qu'un journaliste donne un état de fait, d'accord ? On dit bien, un mec a été tué, fusillade en France, ça fait partie de l'information. Mais pourquoi cette information-là doit être cachée ? Il lui dit irresponsable vis-à-vis de la France. En gros, il lui fait un procès d'avoir trahi son pays. Mais non ! Il lui fait le procès, parce que c'est encore Malbruno, c'est important. Il fait le procès à Malbruno de plus servir les intérêts des services secrets. Et encore une fois, je vous le dis, qui travaille pour les services secrets, je trouve ça normal. La Turquie, tous les pays au monde, utilisent des personnes. La France utilise beaucoup des associatifs, des ONG, et elle se sert aussi de journalistes. Voilà, c'est connu, c'est des stratégies. Mais après, ce que j'en veux à Malbruno, parce que j'en veux aux deux, moi, vous voyez, je défends pas Malbruno, c'est que Malbruno ensuite continue ses propagandes sur le Figaro, à raconter une salade, à écrire des livres, à mentir, à faire croire que la Turquie aussi essaie de islamiser, faire ça, etc. Alors qu'il ne met jamais les pieds en Turquie, il ne maîtrise strictement rien. Voilà les amis, partagez massivement cette vidéo, je vais la mettre aussi sur YouTube, parce que, je vais essayer de conjuguer, sur YouTube, je vais le mettre, ce live-là, coupé du début où je vous attends, et je vais ajouter la vidéo concernant l'intervention. Et écoutez-la, réécoutez-la, etc. Partagez et essayez de faire comprendre. Macron est dangereux pour les Français, et il ne sert pas, lui, les intérêts de la France, comme Malbruno sert peut-être les intérêts de la France, mais il ne sert pas les intérêts des Français, et surtout de la vérité. Salam alaikum, bonsoir à tous. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Voyons, putain.